Là où il y a l'amour, il y a la confiance. Ce n'est pas une autre personne qui choisit pour toi. C'est pourquoi même dans l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle le consentement qui fait le mariage, qui fonde le mariage. Et dans le consentement, les conditions qui sont requises, c'est d'abord la liberté. La liberté de la personne. Il faut que la personne soit libre. Qu'on ne lui ait pas imposé un cheminant ou bien une fiancée. À la différence de ce qu'on a dit de la Bible, où l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour former une seule. Chez nous, c'est la femme qui quitte son père et sa mère et elle vient. Parce que le mariage chez nous est virilocal. Si on va chez la femme, c'est uxirilocal. Et ça, dans l'histoire, je ne l'ai pas encore vu. Et c'est mal perçu, même d'ailleurs, quand un homme habite chez les parents de sa femme, ce n'est pas bien chez nous en Afrique. Donc, le mariage est virilocal. Quand on a notre fille, on leur dit carrément que, ah, chez nous, les Godets, vraiment, principalement, si quelqu'un ne vient pas demander ta main, vraiment, ça ne peut pas marcher. Si tu vas au dehors, ça, c'est ton problème. Mais il faut que quelqu'un qui veut t'épouser, qu'il arrive chez nous, demander ta main, là quand on va, la route est très large. L'actualité, la mouvance, la mode d'aujourd'hui est plus forte que la morale d'aujourd'hui. Les imams, les prêtres, les conférenciers ont leur moralité qui transmet. Et il y a aussi la faiblesse de cette jeunesse vis-à-vis de la réalité qui est sur le terrain. La meilleure chose que Dieu il a donnée à l'être humain, c'est l'amour. La meilleure chose que l'on peut recevoir, c'est l'amour. Et la meilleure chose qu'on peut donner à l'autre, c'est l'amour. Si nous n'arrivons pas à aimer, c'est sûr que nous ne pourrons pas être aimés à notre tour. Chez nous, pour te marier, pour demander la main à une jeune fille, il faut que le papa ait là la maman. Et là, secondo, il fallait que le mari vienne avec ses parents. Mais on ne peut pas prendre un enfant de la rue pour venir demander que ouais, nous on est jeunes, on est venus demander la main à votre fille. Et pour ça, le Codex ne prend pas ça en compte. Le mariage est une institution très importante en Afrique. Et c'est le premier lien. Le premier lien, si on peut constituer un certain nombre d'institutions que nous avons en Afrique, il y a le mariage, qui est un lien déjà qui rapproche les familles, qui rapproche des villages, donc qui rapproche des tribus, qui rapproche des clans, des tribus, des peuples, des ethnies. Il est très important pour la jeunesse de savoir que aimer n'est pas synonyme de vivre à l'Occident. Aimer, c'est la moralité, le respect et le savoir-faire. D'abord, il y a l'étape du mariage coutumier. Nous vivons dans une société multidimensionnelle. Nous vivons dans une société où la tradition est encore très forte, où la coutume est encore très forte. Alors, on conseille toujours au couple là de faire le mariage coutumier. La famille aussi peut constituer un obstacle. Et puis, chacun vient d'une famille, chacun vient d'un milieu culturel. Il est influencé par cela. Donc, il faut tenir compte de la coutume. Donc, c'est conseillé au couple que la première chose, c'est de se marier sur le plan coutumier. Le mariage traditionnel, l'islam ne l'interdit pas tant que cette tradition-là n'a pas de conséquences que l'islam interdit. Voilà. Tant que, par exemple, il y a les traditions, par exemple, où quand on veut marier une femme, il faut envoyer la bière, l'alcool, par exemple, chez les Sonoufous, qui sont même nos frères musulmans, qui sont beaucoup musulmans aussi, il y a beaucoup de musulmans parmi eux. Il y a des traditions jusqu'à présent chez les Sonoufous, par exemple, quand on veut marier une femme, il faut envoyer de l'alcool. Hein? Il y a des traditions Sonoufous comme ça. Il y a l'alliance entre moi, c'est pourquoi je prends ça. Mais l'islam interdit ça. Ce genre de tradition, l'islam n'accepte pas ça. Toute tradition qui a des interdits islamiques, l'islam ne veut pas. Et on peut compenser. Et cette tradition-là, bien sûr, on peut aller voir le chef de la famille, le chef du village pour dire, ah vraiment, nous, on ne fait pas ça chez nous, mais dites-nous comment est-ce qu'on peut compenser ceci ou cela.
n'est-ce pas? Et donc, et il y a les traditions, quand tu veux marier la femme chez eux, il faut aller verser de l'eau quelque part là, pour que voilà, les dieux ou les ancêtres donnent leur accord. L'islam est contre ça. Ces genres de traditions, ces genres de mariage traditionnels, l'islam est contre. Mais toute autre tradition qui ne va pas à l'encontre des principes de l'islam, il n'y a pas de problème. Mais les principes de l'islam en ce qui concerne le mariage, d'abord, avant les traditions. Et maintenant, est-ce que l'islam aussi permet qu'on aille faire le mariage à la mairie? Il n'y a pas de problème. Mais dans quelles conditions, dans quelles circonstances, il est très important. Les principes de l'islam sont quoi? Il faut que les musulmans sachent que aller faire le mariage à la mairie, tout en disant que le bien commun, c'est interdit en islam. Oui. L'islam l'interdit parce que après ta mort, tes biens ne viennent qu'à ta femme, alors que l'islam prévoit de quoi pour ta mère. Car sans elle, cette femme n'allait pas te connaître. Ton père, il a un droit sur tes biens. Parce qu'ils ont souffert pour que tu deviennes ce que tu es devenu. Et puis ils vont sortir comme ça, l'islam ne trouve pas ça noble. N'est-ce pas? Si tu as deux femmes, puisque l'islam permet de marier deux femmes, il faut un droit pour cette deuxième femme qui n'a pas eu l'occasion de se marier à la mairie. Est-ce qu'elle va aller se coucher dans la rue là? Qu'est-ce qu'elle va devenir après que celle-ci est partie avec tout est bien? Donc il est interdit, je le dis, à tout musulman de faire le mariage et faire le bien commun. Après, tout est bien, appartient à l'autre. Et puis, on a vu tellement de femmes malheureuses aujourd'hui qui, malheureusement, ont été épousées avec un homme et aujourd'hui, elles sont sorties zéro. On a vu combien de pères, combien de mères qui vivent la misère alors que la femme a pris tous les biens pour les donner à ses parents. Je vous dis, nous sommes des Africains, nous sommes des humains. L'Afrique, nous sommes humanistes, nous pensons à la famille. On n'a pas dit que la tradition s'oppose au modernisme. Hein. Le modernisme, comme on dit, c'est en fin de compte, on dit modernisme parce que l'isme est négateur. Mais la tradition, c'est ce que j'ai reçu de mes parents, de la société de mes parents. Et moi, par mon champ relationnel que j'ai tissé durant toute ma vie, que je transmets à mon fils aussi, et que lui, il fait pareil, puis il transmet à son fils. Donc il y a toujours quelque chose qui suit. La tradition même est dynamique. Premièrement, vous venez demander coco. Coco, ça veut dire, vous venez taper la porte aux parents. Que, ouais, coco que vous demandez, c'est pour dire que ah, nous, on voudrait votre fille. Le coco, c'est la première étape. Pour pouvoir dire qu'on se lève le matin. Hein, enfin, les parents se lèvent et disent qu'ils vont aller demander la main de la jeune fille. Un certain nombre de rituels qui se font. Et donc, forcément, il y a des comportements des uns et des autres qui participent à ce que les choses se passent. On fait le fil, on fait le fil, on donne une réponse, on attend que la réponse vienne. Il y a un certain nombre de rituels. Qu'on vient demander, on dépose d'abord, si c'est ancien temps, c'est un canari de bagni blanc. Mais en nos temps, il y a plus de canari de vin blanc. Donc on donne deux bouteilles de liqueur. Et sur deux bouteilles de liqueur, deux vins, une bière et puis une somme de 10 000 francs. C'est le papa de la fille qu'on dote là. C'est lui qui débande ça. Quand notre fille est venue, elle a dit que je vais épouser ce monsieur. Et nous, on a été d'accord avec la famille maternelle et la famille paternelle. Et c'était bien passé parce que ils ont envoyé les nécessaires. Un sac de sel, 7 compris de pain, un kita, un casier de vin ménager avec bière, plus 7 bouteilles de sucrerie, et en plus, ce qu'on n'a pas eu là, c'est le sandalet du papa qu'on n'a pas envoyé, et le foulard, plus un foulard de la maman. Si vous avez décidé de vous mettre ensemble, c'est que vous voulez vous marier. Parce qu'on ne décide pas d'être ensemble comme ça. On décide parce qu'on a réfléchi.
Alors ce n'est pas la peine de commencer et puis à mi-chemin de s'arrêter. Non. Vous savez, même dans la tradition africaine, comme dans beaucoup de coutumes, on ne se met pas ensemble si on n'est pas marié. Si le mariage n'a pas été scellé, si l'alliance matrimoniale n'a pas été scellée, on ne peut pas se mettre ensemble. On ne peut pas se mettre en couple. Aujourd'hui, c'est vrai que on ne respecte plus les lois, on ne respecte plus les coutumes. Alors, on se met ensemble, on se met en couple et ça, après, on peut se marier. Non, ça ne se fait pas. On met la charrue avant les bœufs. On veut d'abord vivre avec une femme, la vie de copain-copine, avant de rentrer dans la vie de fiançailles, avant d'aller maintenant dans le mariage. Vous n'avez pas remarqué que malheureusement, chaque année 20 mariages par exemple et on a 50 divorces en même temps dans la même année. La chose que je dois consommer dans mon mariage, le sexe que je dois consommer, excusez-moi du terme, que je dois consommer dans mon mariage. Moi, j'ai déjà dégusté ce sexe avant le mariage. Qu'est-ce que je vais aller chercher dans le mariage? Nos soeurs, nos petites soeurs disent pas tout le temps qu'il n'y a pas mariage, on n'a pas... Mais tu t'es livré à celui qui doit te marier. Qu'est-ce qu'il va te faire de toi après le mariage? Et je t'ai connu, tu as accepté de te donner à moi avant le mariage. Qu'est-ce qui me prouve que tu ne vas pas te donner à un autre homme après que tu es rentré dans mon foyer? Parce que je sais que tes principes ne sont pas de faire l'amour que dans le mariage. Et je lance cet appel à toutes ceux qui se sont préservées, car j'en connais beaucoup qui ont refusé le rapport sexuel avant le mariage. Continuez sur cette voie et l'homme qui acceptera de vous marier si vos principes sont les hommes qui vous respectent, qui sauront aussi vous respecter. Et refuser de marier une femme parce qu'elle refuse de se donner à toi, moi je dis que tu n'as pas le sens de respect de la femme, car la femme n'est pas le sexe, la femme c'est l'humain. Il faut voir l'humain en elle au lieu de voir le sexe en elle. Et si la femme, tu montres ton sexe à l'humanité, tu montres que ton côté sexuel à l'humanité, tu t'habilles qu'en sexy, parce que je suis habillé en sexy, n'a pas d'autre sens que je montre mon sexe à l'humanité. Si c'est ça ta devise, les gens s'approcheront de toi que pour ton sexe et après le sexe, on va te déchirer. Si on veut se marier, l'islam nous conseille de se séparer 3 mois. 3 mois avant de parler de mariage. Pour que si éventuellement la femme est enceinte, on puisse savoir s'il y a grossesse. Pour ne pas que les enfants hors mariage soient confondus avec les enfants de mariage. D'abord, le mariage. C'est pourquoi il y a une procédure. Il y a ce qu'on appelle les fiançailles. Les fiançailles, c'est le lieu de la connaissance, le lieu de l'amitié, le lieu de la découverte de l'autre, du caractère, de son tempérament. Est-ce qu'on est fait pour vivre ensemble? Et d'ailleurs, la préparation au mariage est un lieu de connaissance de soi et de l'autre. Pour voir, pour discerner, est-ce que nous sommes faits pour vivre ensemble? Si nous sommes faits pour vivre ensemble, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on se met ensemble et puis après, on veut se marier. Ça, ce n'est pas ce que dit l'Église, ce n'est pas ce que dit même la coutume, d'ailleurs. Beaucoup de coutumes, je ne dis pas toutes les coutumes, la plupart des coutumes africaines ne disent pas « mettez-vous ensemble et après mariez-vous ». Non, on vous demande d'abord de faire un petit cheminement, un cheminement quelquefois qui dure, et quelquefois on est soumis à des épreuves. On a vu il y a des ethnies où vous êtes soumis à beaucoup d'épreuves pour voir votre qualité d'homme et de femme. Est-ce que vous êtes capable de prendre en charge un homme, une femme? Est-ce que vous êtes capable de prendre en charge des enfants? On teste tout cela. Oui, ça fait 55 ans que nous sommes mariés. Ça fait 55 ans que nous sommes mariés. Il n'y a pas de secret. On savait qu'on ne peut pas divorcer. Alors, puisque c'est vous-même qui avez choisi votre partenaire, vous savez ce à quoi vous en tenir. Et pour donner des conseils aux jeunes, c'est ce que je voudrais leur dire, que ce n'est pas la peine de faire des mariages à l'essai. Parce que si vous voulez essayer la fille, pour connaître son caractère, à moins qu'elle ne reste chez ses parents. Mais si vous êtes avec elle pour vouloir connaître son caractère, vous ne le saurez jamais. Si à un moment donné, vous décidez de vous marier, vous aurez un autre visage de la fille. Mais si vous voulez l'étudier, laissez-la chez ses parents, regardez-la, observez-la. Et si ce qu'elle est vous plaît, bon, vous l'épousez. Hein, plutôt que dire, bon, on va rester ensemble, on va s'essayer là, ça ne marche pas. Parce que vous ne saurez jamais réellement ce qu'elle est.
Donc, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez une femme, il suffit de choisir le caractère qui vous intéresse le plus. Ce qui vous intéresse le plus en elle, et puis c'est tout. Puisque la perfection n'est pas de ce monde, alors vous n'aurez pas la femme idéale. À moins que ce ne soit la chance. Hein. Et ces gens qui vivent en concubinage, qu'ils arrêtent, parce que ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie, parce que vivre avec une femme qui n'est pas la nôtre, tout enfant qui naît ne sont pas des enfants qui pourront se taper la poitrine demain. Sachant que je ne suis pas un enfant dans le mariage, quelle qu'il en soit la beauté des mots qu'on va dire, enfant de jeunesse, enfant d'amour, enfant de... Mais il n'est pas enfant de mariage. Bref, c'est la meilleure dignité qu'on peut donner à nos enfants. J'ai demandé directement sa main. Elle a accepté. Maintenant, il était question de la courtiser jusqu'à ce qu'elle accepte d'aller avec moi dans mon village. Et pour ne pas avoir des histoires, elle a accepté, elle a donné un rendez-vous nocturne et puis nous sommes partis. Il faut pouvoir dialoguer avec la femme, qu'elle t'accepte seule avant que ses parents ne soient au courant. Si déjà on a, on met ses parents en contribution, bon, c'est comme si les parents l'ont obligé. Or, les filles bêtées ont le droit de se choisir leur mari. Et quelquefois même une seule fille a 10 prétendants. C'est justement la raison pour laquelle elle donne un rendez-vous nocturne. Sinon, si tu dois aller avec elle dans la journée et que tu rencontres l'un de ses prétendants qui a perdu, mais il va réclamer tout ce qu'il avait donné à la fille. Ça va poser des problèmes. Par la suite, ses parents sont venus et puis on a donné la dot. Et comme moi, j'étais déjà chrétien, on l'a envoyé à Gagnoa pour apprendre le catéchisme. Après son baptême, puis nous nous sommes mariés. Le mariage d'avant, ça durait parce que le papa et la maman de la fille sont beaucoup impliqués. Et aussi, les beaux-parents sont tous impliqués. Alors, quand il y a une affaire qui ne cloche pas, les deux s'asseyent pour régler. Et on va de l'avant. Autrefois, c'est presque le papa ou la maman qui choisit la fille pour son enfant. Mais de nos jours, ce n'en est plus le cas. Les deux s'aiment, viennent, et bon, après l'entretien, les deux familles les cautionnent. Je veux dire que, a priori, les mariages de l'heure actuelle, il y a beaucoup de divorces, hein, parce qu'on fait des statistiques, et puis nous ne sommes plus dans les villages, donc forcément, il y a eu une... les statistiques sont un peu, comme on l'appelle, agrandies par le fait que la société est plus grosse. Mais fondamentalement, si on fait une approche eidétique, on peut se rendre compte que le mariage qui se fait dans nos sociétés traditionnelles est plus solide parce que les gens ont plus le temps de se connaître. Parce que c'est quand vous prenez le temps de connaître la personne avec qui vous allez être en couple, hein, pour l'individu, si on se réduit seulement à cela, Vous appréciez son comportement, sa façon de faire et tout ça. Vous avez le temps de rectifier, de faire des concessions et tout ça. Alors que maintenant, on se marie pour du coup de foudre. Alors, la femme me plaît, donc ce n'est plus tellement les valeurs traditionnelles qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est plus un certain nombre de valeurs de respect, de lien familial, de respect des autres parce que vous apprenez, pendant que vous êtes marié dans la société traditionnelle, vous apprenez à connaître votre belle famille. Que ce soit du côté du mari, que ce soit du côté de la femme, vous apprenez à connaître votre belle famille. Donc, vous prenez le soin de vous présenter dans une attitude qui fasse de telle sorte qu'on vous accepte. Chez nous, particulièrement, on donne un nom. Quand la femme se marie, on lui donne un nouveau nom. Et c'est ce nom-là qu'on utilise pour la désigner. Ça lui permet de pouvoir être véritablement dans la famille, être membre de la famille à part entière. Parce que dans nos traditions africaines, chez les Kru par exemple, la femme n'hérite pas chez elle, elle n'hérite pas de la terre. La terre dont elle fait usage, c'est la terre que son mari a. Donc dans le village de son mari, qu'elle retrouve tous ses droits. Les paroles, on ne peut pas les éviter. Ce qu'il faut faire, il faut s'asseoir pour les régler. Il faut s'asseoir pour les régler. Donc les paroles, il y en a dans toutes les familles, mais on essaie de les régler. Si c'est chaud, vous attendez,
Vous attendez quelques instants pour que ça se calme, et puis bon, vous réglez. Ma maman m'a conseillé que, où il était marié, mon papa, c'est comme ça, il disait, s'il y a quelque chose, son enfant ne sort pas au dehors. Maman avec mon papa, bon, si l'affaire ne sort pas au dehors, tout le monde dit que ton mari t'aime, pour toi est bien. Oh, il y a quelque chose, mais il faut que vous n'avez qu'à s'attendre. Grave même affaire là. Et puis les autres voient bien, si c'est à moi, je ne peux pas accepter, mais tu regardes en haut, il y a tes enfants. Affaire là, va faire, puis tu vas partir. Tu n'as pas encore monté, et puis l'autre femme va venir, il s'en fout, il est venu payer son pain. Il n'a pas venu nourrir tes enfants. Donc, mon cœur était comme ça. Bon, si l'affaire n'a pas au dehors, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, si c'est à moi là, si c'est à moi là, on ne peut pas me faire comme ça. Quelqu'un ne peut pas dire ça. Et la loi ivoirienne demande qu'on se marie d'abord civilement avant de se marier religieusement. Ça, c'est la loi civile qui le demande. Alors, bon, donc, dans l'Église catholique, on le respecte. Si vous voulez vous marier à l'Église, on vous demande d'abord le mariage civil et ensuite le mariage religieux. Si vous avez des familles fortes et stables, vous aurez une société forte et stable. Mais si vous avez des familles en crise, ou bien la vie de famille est en crise, c'est sûr que vous aurez une société en crise. C'est le mariage qui construit, ou bien la vie de famille qui construit une personne. Une personne qui est stable dans son foyer, qui gère normalement son foyer, peut gérer une entreprise, je peux le dire ainsi. Ce n'est pas évident, mais c'est important. Pour dire que si vous avez une crise dans votre famille, dans votre foyer, vous allez subir la même influence dans votre lieu de travail. Celui qui, à la maison, n'est pas en paix, ne peut pas être en paix au travail. Parce que c'est dans la famille qu'il puise les forces capables de se mettre au service de la société. Donc, si à la maison, vous avez des problèmes, c'est sûr que votre rendement social, votre rendement civil, votre rendement de travail ne sera pas bon. On découvre que la famille est en train de subir beaucoup de pression. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au modernisme, c'est dû à beaucoup de fléaux aujourd'hui. C'est dû au libertinage qu'on veut constituer en liberté. Et tout, chacun veut. Parce que les gens veulent vivre mariés et célibataires en même temps. Sur le plan sentimental, de nos jours, on a un peu dépassé toutes les manières traditionnelles. Et maintenant, les gens se rencontrent le plus souvent sur Internet parce que Internet est le centre de rencontre, c'est un espace de rencontre. Des cas de mariage que je connais et que le cyber a permis d'effectuer, quoi. La plupart du temps, c'est sur Internet que les gens se rencontrent. Mais comme ce n'est pas un espace fiable, comme ce n'est pas un moyen fiable, les gens se méfient le plus souvent. Mais sinon, ça existe, ces cas-là existent. Les gens se rencontrent simplement sur Internet, mais pour tout ce qui va avec, on procède par les manières traditionnelles. Il n'y a plus de limite d'âge. Hein. L'Internet est le moyen moderne de communication, comme le dit l'éthique. Et il n'y a plus d'âge limite. Il y a les enfants qui viennent, il y a les vieillards qui viennent, il y a les jeunes qui viennent, et puis tout le monde travaille sur Internet maintenant. La plupart du temps, c'est les femmes. Elles viennent le plus souvent échanger avec des gens. Les gens se connectent très souvent sur leur portable, parce que maintenant, sur les portables, il y a l'Internet. Mais les gens, certains continuent de venir au cyber parce que tout le monde n'a pas les moyens de se procurer les portables. Donc, l'engouement est toujours comme avant, quoi. Un Ivoirien peut rencontrer une Ivoirienne, une Autrichienne, des Occidentaux et un peu partout dans le monde puisque le moyen est international. L'amour, c'est au quotidien que ça s'exprime. Il y a un certain nombre de choses que la femme, l'homme se disent pour qu'éventuellement il y ait l'harmonie dans la maison. La jalousie, par exemple les relations avec les beaux-parents, l'utilisation du portable, le budget familial, les rapports sexuels. C'est vraiment la vie pratique du couple. Et donc eux-là, les membres de l'association Famille Chrétienne, donnent leur expérience. Et c'est vraiment des temps d'échange très approfondis. On y allait. Pour apprendre aussi, pour créer ce nombre de compétences en vue de mieux encadrer les couples. Nous avons des mœurs en Afrique, nous avons des civilisations, des éducations dans nos religions. L'islam nous enseigne la dignité, l'honneur et la fierté. Et la meilleure éducation, c'est ce qui vient de Dieu, du Coran et aussi de la Bible. Et il faut que nous revenions vers Dieu, n'allons pas vers le diable, car là, il y a des égarements, l'enfer et la perdition, le grand regret que Dieu nous en garde. On dit les enfants, par exemple, quand ils naissent, ils découvrent. Ils découvrent les valeurs. Et ce qu'ils découvrent, ils captent.
Ils gardent cela dans leur cœur, dans leur vie. Et ils vivent cela. J'ai remarqué que le bon exemple, on le tient de ses parents. Si un enfant ou bien un jeune a vu ses parents se marier et vivre un beau mariage, un mariage exemplaire, il aura toujours le désir de se marier comme ses parents. Que les parents, aujourd'hui, n'oublient pas les générations à venir. Quand il y a les conflits, qu'ils n'oublient pas que les enfants attendent le bel exemple, le modèle.